Bonjour et merci d'avoir choisi cette nouvelle méditation hypnotique. J'ai écrit ce nouveau voyage méditatif dans le but de vous aider à trouver plus facilement du bonheur en tout et partout. Et surtout, pour réussir à lâcher prise et vivre pleinement le moment présent. Cette méditation est accessible à tout et à chacun. Il vous suffit juste de prendre du temps pour vous, au calme, de demander à vos proches de ne pas vous déranger, de couper les notifications du téléphone et de vous laisser porter par ma voix. D'autres voyages méditatifs sont à venir et pour être prévenu lors de leur sortie, je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche en bas. Ces séances viennent compléter les vidéos que Sophie vous fait chaque semaine sur la chaîne pour vous aider à lâcher prise et à cheminer, toujours dans le but de devenir plus heureux et ainsi de réaliser plus facilement vos rêves. Elles viennent aussi en support et en complément aux vidéos que j'ai tournées suite à mon infarctus en 2015. Je vous propose maintenant de vous installer confortablement, de préférence avec des écouteurs sur les oreilles. Prenez votre temps. Allongé ou bien assis, il n'y a pas de meilleure position, peu importe. Le seul risque en étant allongé est de vous endormir pendant le voyage. Et dans le but de se relaxer un peu plus profondément avant ce voyage magique, je vous suggère d'observer votre respiration naturelle et de fermer vos yeux. Observez ce flux d'air qui rentre dans votre corps et qui permet déjà, en conscience, de savourer ce moment de pause que vous vous offrez. Vous pouvez vous remercier pour ce moment que vous vous accordez. Le fait de porter votre attention sur votre respiration tout au long de cette séance va vous permettre de vous mettre dans un état plus réceptif à la visualisation de l'histoire que je vais vous proposer. Et lorsque vos pensées se feront un peu trop présentes, simplement reprenez votre attention sur votre respiration. Car c'est normal de penser. Personne ne doit vous demander d'arrêter de penser. Et personne n'en est d'ailleurs réellement capable. Mais simplement avoir conscience de ses pensées, les observer même, et revenir en conscience sur sa respiration. Reportez régulièrement votre attention sur votre respiration. C'est la base de la méditation de pleine conscience. Et même si je sais que certains sont pressés de faire ce voyage méditatif, nous allons approfondir encore plus cet état hypnotique, méditatif, peu importe comment vous l'appelez. Je vous propose de respirer simplement par le nez maintenant. Si vous le pouvez, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Posez vos deux mains sur votre ventre. Et sentez-le se remplir d'air à chaque inspiration. Sentez votre ventre
gonfler et grossir à chaque inspiration. Sentez-le se vider et se creuser à chaque expiration. Cet air qui permet la vie en vous, la vie en nous. Prenez conscience de votre corps et de la pesanteur qui le fait se reposer sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez chaque point d'appui. Et alors que vous êtes assis ou allongé, que vous écoutez le son de ma voix, vous sentez votre corps se décontracter, à la fois plus lourd et plus léger. Observez bien votre corps, observez-vous, la tête, les bras, les jambes, les pieds, puis les mains. Observez-vous. Peut-être sentez-vous déjà d'agréables sensations qui parcourt le corps et l'esprit. Sans même s'en rendre compte, votre subconscient se prépare sûrement déjà à la transe hypnotique, cet état qu'il connaît déjà et que l'on ne se rend parfois même pas compte. Vous savez, comme quand vous arrivez chez vous en voiture, sans même vous rappeler réellement d'avoir emprunté telle ou telle route. Portez encore un peu plus votre attention sur votre respiration naturelle, sans la forcer à ralentir. Laissez-la aller naturellement. Et imaginez ce flux d'air qui rentre dans votre corps, dans vos poumons, s'étendre jusque dans vos bras et les détendre profondément. Puis dans vos mains. Ressentez cet air qui vous traverse, qui se faufile dans votre bas-ventre, dans votre thorax. Qui remonte même, dénouez vos cervicales et vos épaules. Sentez-le passer sur votre bassin, à gauche, puis à droite.
et s'étendre dans vos deux jambes. Puis dans vos pieds. Portez votre attention sur votre tête et sur votre front, le front qui est parfois crispé. Détendez-le, laissez-le se dérider. Puis vos joues et votre nez. Toute la zone autour de votre nez, vos lèvres, votre bouche et votre mâchoire aussi qui se décrispe. Même votre langue, détendez-la, voilà, laissez-vous porter. Et alors que vous êtes assis ou allongé et que vous écoutez le son de ma voix, vous vous sentez de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, de moins en plus. Concentrez-vous, toujours les yeux fermés. Sur le milieu de votre front, juste un peu au-dessus de vos yeux, et imaginez comme un écran de cinéma ou une belle scène de théâtre. C'est votre théâtre, là où tout est possible. Et maintenant que vous êtes bien détendu, nous allons réellement commencer ce petit voyage ensemble. Et vous vous imaginez vous trouver sur un joli chemin dans une belle forêt de sapins ou de pins, comme on en trouve par exemple dans les Landes. Ces beaux chemins de sable qui parcourent la forêt en bord d'océan, avec ses grands et ses immenses arbres majestueux, qui ont vu tant de personnes passer à leurs pieds comme vous le faites maintenant. Parfois, notre esprit est chargé de problèmes du quotidien, de soucis divers et variés, nous empêche de prêter attention à des choses simples. Pourtant si belle, comme ces grands arbres. Aujourd'hui, vous avez le temps et l'envie d'admirer leur grandeur et leur splendeur. Car aujourd'hui, vous avez décidé de vous offrir ce temps, de regarder avec vos yeux la beauté simple et magique que nous offre notre belle nature. Vous prenez le temps de vous arrêter au pied d'un de ces grands arbres et vous l'observez. Vous pouvez regarder le vent se frayer un chemin à travers son feuillage, écouter le son que cela produit,
d'écouter les oiseaux chanter sur ses branches et s'envoler. Vous pouvez toucher avec vos mains son écorce. Vous pouvez même l'enlacer si vous le souhaitez. Vous ressentirez peut-être l'amour qu'il vous envoie, l'amour qu'il dégage, sa force, sa grandeur, son énergie qui vous ressource, vous régénère. Et déjà, vous lui dites et vous dites merci, je t'aime. Vous ressentez plus que jamais votre respiration naturelle qui peut-être se fait de plus en plus ample, sans forcer, naturellement. La lumière du jour commence à baisser peu à peu d'intensité. Restez là assis ou debout. Prenez votre temps. Admirez tout ce qui vous entoure. Et alors que la lumière du jour commence peu à peu à baisser d'intensité, et après ce moment ressourçant, il est temps pour nous, pour vous, de continuer ce chemin. Continuez à avancer sur ce joli chemin sinueux, tout en observant cette nature luxuriante autour de vous, en écoutant les sons qu'elle produit, les bruits, en sentant ses odeurs, qui peut-être vous rappelle déjà des souvenirs d'enfance. Plus vous avancez et plus le sable devient fin sous vos pieds. Peut-être même que l'envie d'enlever vos chaussures pour le ressentir directement sur vos pieds est forte. Faites-le si vous voulez. Ne vous interdisez rien ce soir. Et alors que la nuit commence à tomber doucement sur ce chemin, tu te sens de plus en plus léger. Et même ces énormes rochers lisses et ronds qui se dressent devant toi ne t'empêchent aucunement d'avancer. Tu t'amuses même à les escalader, à les contourner. Quelle sensation agréable. Et quand enfin le sentier se termine et laisse apparaître dans la pénombre une belle et grande plage de sable fin et blanc. Tu entends le bruit des vagues et tu aperçois au loin, tout au bout de cette plage, une belle lueur, comme un feu allumé là. Tu décides alors de t'en approcher. Et le sable encore chaud de l'après-midi te caresse les pieds. Tu marches le long de cette plage et tu te sens léger, libre, heureux, comme un enfant. Comme l'enfant que tu as toujours à l'intérieur de toi. Tu le retrouves.
Enfin, au bout d'un moment, tu perçois mieux cette lueur. Qui est bien comme tu le pensais. Un feu de camp abandonné, là. Au bord de l'océan. Sur le côté, posé sur un beau rocher et éclairé par des bougies, tu perçois un tout petit coffre en bois, avec à ses côtés un carnet et un joli stylo à plumes. Encore à côté, sur un autre rocher, tu aperçois une belle lanterne thaïlandaise. Tu sais, ces mini montgolfières que l'on envoie la nuit voler et qui, telles des étoiles, brillent un temps au-dessus de nos têtes. Prends le temps de t'asseoir tranquillement, de prendre le carnet. De l'observer. Comment est-il? Des feuilles ont déjà été arrachées par d'autres avant toi. Alors, tu prends le beau stylo à plumes. Et tu écris sur une page ton plus gros souci. Un seul par voyage, tu pourras revenir sans ton souci. En conscience, tu écris sur cette page ce qui te pèse, ce qui te rend triste ou en colère. Puis tu arraches la page. Tu la plies et tu la glisses dans ce joli coffre en bois. Tout petit coffre. Coffre que tu attaches à ta lanterne thaïlandaise. Il te suffit d'aller vers le feu de camp pour y prendre un petit bout de bois enflammé et pour allumer ta lanterne. Et les bras levés vers le ciel, les yeux dans les étoiles, tu tiens ta lanterne. Et quand tu sens que c'est le bon moment, tu la libères et la laisses s'envoler. Et avec elle, ton plus gros souci. Plus tu la vois s'éloigner, et plus tu te sens libéré d'un poids. Plus tu sens en toi un lâcher-prise. Un sentiment de bien-être t'envahit. Et alors que tu ne perçois à peine plus qu'un petit point lumineux dans le ciel, telle une étoile, tu décides, par cette belle nuit d'été, de t'allonger près du feu et de regarder cette étoile se perdre dans l'immensité du ciel. Peut-être tu t'endormiras comme ça. Ou bien tu passeras la nuit à contempler ce ciel magnifique. Et
Et tu auras ce beau sentiment d'avoir réussi à trouver dans des choses simples, des choses que personne ne peut t'enlever, ton bonheur. Un bonheur simple. Tel un enfant, tu le ressens à nouveau. Et tu sais que même si des obstacles se dressent encore devant toi, tu sais que les choses simples sont toujours là pour toi. Tu dois juste prendre le temps de porter ton attention dessus, de l'observer. Les choses simples procurent souvent le plus grand des bonheurs. Le bonheur, c'est simplement d'avoir conscience des choses qu'on a déjà. Avoir un toit sous sa tête, avoir de quoi manger tous les jours, pouvoir sentir l'air pur, aller se promener librement en nature, observer des jolies fleurs, des beaux arbres. C'est l'attente et l'impatience qui empêchent de voir ce bonheur. Il te suffit de porter l'attention sur ces choses simples et de cultiver ce bonheur intérieur que rien ni personne ne peut t'enlever. Rien ni aucune situation ne pourra t'enlever ce bonheur intérieur. Il est là. Il est en toi, en nous tous. Il nous suffit juste de le cultiver, d'apprécier le moment présent, le seul moment qui compte réellement, le moment que l'on vit là, maintenant. Car nul sait de quoi sera fait les 5 minutes qui suivent. Et le passé étant déjà passé, nul ne peut le refaire. Lorsque nous étions enfants, sans même nous en rendre compte, nous passions notre temps à cultiver ce bonheur, à faire du vélo sans but, juste parce que on était heureux d'avoir un vélo. On regardait les insectes, on regardait la nature autour de nous. Cet enfant, nous l'avons toujours en nous. Nous l'avons juste enfoui, caché. Mais il est très simple de le laisser à nouveau s'exprimer. Maintenant, tu as les clés. Entraîne-toi et tu verras. Le bonheur est en toi. Et rien ni personne ne peut te l'enlever. Rien. Te demander à nouveau d'observer ta respiration. Et tu vas maintenant pouvoir bouger lentement tes doigts, de pieds, de mains. Tu vas pouvoir bouger tes bras et tes jambes, même t'étirer si tu le souhaites. Et ouvrir doucement tes yeux. Voilà,
Ce voyage est terminé. Tu peux le refaire autant de fois que tu le désires. Et mettre dans le petit coffre, à chaque fois, un souci différent. N'essaye pas d'en mettre plusieurs. Prends ton temps. Et savoure l'instant présent. Et je te remercie si tu as apprécié ce voyage de me laisser un petit commentaire et un pouce. Cela aide grandement à la visibilité de nos vidéos. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, il est toujours temps. Je te dis un grand merci et je te dis à très bientôt.